Bonjour YouTube, on fait sa carte de dresseur, c'est ok. Ah ouais, vous voyez tout YouTube, hein, désolé. Hein. Ouais, ça, ouais. Niveau cadre. Oh, genre photo à. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, mais photo quoi. Je suis pas encore occupé par les cadres. Hein. Alors, le plus important, la pause. Oh, mais du coup, je vois rien du coup. Moi, il est mignon. Dodo. Oh, je fais une Turam. Oh, ouais, on va faire une Turam. Oh, ouais. Ouais. C'est moche, c'est laid, c'est horrible. Une Turam, c'est Lilian Turam, c'est un joueur de foot, c'est en 1998, lors de la finale de la Coupe du Monde, non, de la demi-finale de la Coupe du Monde, quand il a marqué un but, il a, après, c'est un défenseur, donc il n'est pas censé marquer. C'est en gros, il a glissé sur les genoux pendant une dizaine de mètres en faisant la pause comme ça. Voilà, il a posé comme ça, il a glissé sur le terrain sur les genoux comme ça. Du coup, c'est un peu une Lilian Turam, quoi. Voilà. Et là, en fait, l'histoire de la carte, du coup, c'est qu'il me fait une Turam aussi. Mais sauf que en fait, il n'est pas sur du gazon, il est sur d'arroche. Du coup, il a mal au genou. Voilà, c'est le lore de la carte. Voilà, le lore de la carte. Des bulles, non. Non, mais l'hologramme d'Amius, très bien. Hein. Ouais, bah il a mis que deux buts, mais des deux buts qu'il fallait, parce que bon, contre la Croatie, c'est chaud. Donc en vrai, il a marqué des bons buts. J'ai soigné Pokémon, moi. Non. C'était un défenseur, hein, donc bon, niveau but, c'était pas vraiment son truc. Hein. C'est ça l'arène? Pas le truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais tout ce qu'on a vu, c'était qu'une seule ville? La grande roue derrière et tout ça, mais on va s'emmerder à voir tous les gens, c'est trop bien. La Chero's Tower. Ouais. Mais ils ont rien. Génial. Ça fait très Covid friendly ici, hein. Pas grand monde, c'est ok. Hein. What? Whitey?
petit détour, évidemment. Hello. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de rouler autour d'une gamine. Ça fait un peu harceleur, c'est pas cool. Hein, quoi? Tu peux apprendre qui a quoi? Qui a quoi, où ça, comment, qui, quoi, quoi, hein, quoi? Hydroblast? Ouais, mais on s'en fout. On a tir de précision, ça suffit largement. A plus, Perséphone! Bah, c'est dépassé! Oh, un labyrinthe, qu'est-ce qu'on s'emmerde, c'est génial! Allez, tu déconnes, oui, ça sert à rien. Ah, le champ herbu. Alors avant, là on s'en met toutes les maisons, on va les visiter, hein. Ouais. L'autre il parle à des fleurs, hein, je vous rappelle, hein. C'est ok. Vraiment que... Ron Grigri pom pom. J'ai cru qu'il bouffait une pomme, mais en fait non, c'était un verre pomme. Et bah là, la fouille de ta vie. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça, oui. Putain, ça sert toujours à rien, mais il y a toujours autant de maisons, c'est génial. Il y a un truc qui va servir à quelque chose, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va servir une fois, quelque chose dans cette rue. J'en suis persuadé. Hein? Quoi? Duralcon? C'est Pokémon métal? Je m'en fous, j'ai un Pokémon métal. Et vous avez vu? Il aurait pu se passer quelque chose! C'est incroyable! Ah ah ah, mon crâne qui a mal! Ah ah! Ouais, je vais mettre là, voilà, c'est parfait. J'ai pas l'air d'un con comme ça. C'est parfait. Ouais, ok. Ah, on va savoir comment Motisma se change. Enfin, on va savoir comment le faire en tout cas. Parfait. Oh, niveau 34, ça devrait aller. D'ailleurs, du coup, il n'y a jamais eu d'autres formes de Motisma que les 4... Que les 4-5 qu'il y a eu... dès qu'il est arrivé. Il n'y a jamais eu d'autres formes... La mèche blonde. La mèche blonde. C'est qui? Bah, en combat, non, oui, mais après, oui, c'est vrai que. Oui, non, mais le Pokédex, d'accord, mais tu vas pas battre ton Pokédex. Tu vas pas jeter ton Pokédex pour qu'il aille en combat, quoi. C'est comme si j'étais mon portable, quoi. Ça va pas aller. Ah, c'est pas très efficace. Pourquoi? Le feu? Le feu résiste à ça? Quoi? Donc sur le texte, on... Non... Ah oui, c'est un Nokia, oui, mais Pokémon est heureuse.
Machine à laver, c'est ça. Oh, comment ils sont bien coordonnés, il y en a qui m'a brûlé, l'autre qui me... Ah, du coup, je suis plus brûlé. Yes! Électrique. Ah oui, il est plus spectre, il est... Ah oui, j'avais oublié ce détail, il n'est pas spectre haut, il est électrique haut. Oh. Mais bien sûr, évidemment, connard, il est toujours électrique. J'ai totalement oublié ça. Écoute, tu vois comment faire ou pas? Multi-catalogue. Un cadeau présentant les divers appareils ménagers que vous avez réussi à utiliser pour faire entrer Multispan dans les appareils que vous faites. Et ben voilà! Un truc qui sert, incroyable! Ça a servi à quelque chose de faire toutes les maisons de ces morts? N'est-ce pas incroyable? Ah, le bout est libré en haut, c'est rigolo. J'adore le bout est libré. Voilà. Oui. On retourne là-bas. Il y a les vieilles. Bonjour les vieilles. Non, j'ai cru que non. Mais ben, c'est cool. Je suis pas sûr que ça vaille vraiment d'avoir une discussion avec elles, mais... j'ai rien oublié ici. C'est la commerçante. Ah oui, on peut se battre avec l'autre, mais... Est-ce que j'ai la flemme? Oui. Après, je sais pas ce qu'il peut donner, donc pourquoi pas... Il est en train de vomir, bah super. Bouteille libre, c'est un Pokémon vol qui est bien. Ça d'abord. Dans le type de Pokémon vol aussi, les vols dragons aussi, genre Dracolo, Dratak, ils sont c'est pas mal aussi. Vas-y. Ah, c'est pas en combat double? Je suis pas fait en papa goûté? Si, c'est ça. En plus des Pokémon fées, j'enlève mon Pokémon métal, pas acier, super. Non, oh, lance-flamme, il y a lance-flamme évidemment. Adieu. Ah non. Scheiss. J'ai plutôt envie de dire Scheiss, quoi. C'est quoi ce zoom dégueulasse?
Scalopa, parfait. Lance-flamme, forcément. T'es obligé. En même temps, tout le faiblesse feu, bon. Pas tout avoir non plus, quoi. Allez, Scalopa, vas-y! Plus au 56, yes. Non, pas 36. N'importe quoi. J'ai surtout ressenti ta défaite. Ah. C'est juste contre un chanteur. Oh. Oh. Ok. Rappel, hein, comme d'hab. C'est bien parce qu'à chaque fois que je mets tout est écrit, c'est un combat double. C'est génial. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des trucs bien? Ok. Oh oui! Oh oui, petite veste en cuir. Oh oui, 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 je veux une petite veste en cuir. Pas dégueulasse. Ah oui, ça vaut 100 000 balles! J'achète. Survette, non. 96 000 balles. Pas ouvrir des trucs? Putain, faut que j'ai. Non, mais c'est bon, je peux. J'ai des trucs à vendre, c'est ok hein. J'ai juste pas tout vendu, j'ai même rien vendu depuis un certain moment, donc là bon. Vous allez voir, j'ai envie de me refaire le pognon, ouais. C'est où? C'est où? Trésor. Ah non, ça je vends pas, ça c'est ok. Voilà, 15 000. Paf! Jolie plume. Joli dauphin. Nage vers les tiens. J'ai oublié ça. Désolé. Voilà, 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 voilà. Vous voulez du pognon? Voilà, voilà du pognon. Voilà du pognon. Voilà. C'est ça quoi qu'on veut. J'espère que ça n'arrête pas. Ah, c'est bon. C'est bon là. Merci. J'ai assez pour acheter un pantalon. Dans le doute. J'ai vendu toute ma fortune pour avoir un pantalon. Est-ce que c'est bon? Je peux avoir un pantalon ou pas? On se met tout en bleu. Parce que pourquoi pas. Des chaussures roses à semelle compensée. Oh, le sac noir est pas mal, le sac roche. Sac. Ouais, non, mais on est plutôt du côté bleu de la force maintenant. Ben génial, électrique! Incroyable! Pas de casquette, vous avez pas autre chose que casquette? Un petit béret. Un petit béret bleu. Voilà. On est tout à fait dégueulasse. Ça se voit que je sais pas meuillé? Non, c'est pour être sûr. Hein. Ah, c'est parfait. Ah, je vais pas hésiter à dépenser mon pognon, t'inquiète pas. Ouais, c'est ça, petit. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas autre chose, hein?
Il y a là-bas. Ouais, mais le coiffeur, on s'en fout. On s'en fout du coupe-tif. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Non, je suis en bleu. Parce que pourquoi pas? Par contre, c'est chiant pour tourner un vélo. On peut monter dessus? Oh, ça, c'est trop bien. J'avoue, ça aurait été trop bien de monter des Pokémon là. J'avoue, un petit bourrinos. Croix, croix. C'est un hôtel de combat, ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, un truc. Pas exagéré, mais bon. Oh là 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 là, mais quel luxe! Putain, il me reste un bout de rose de Pokémon là, le petit Pikachu. C'est vraiment des problèmes de riches, hein. Osef. Hein. Super. D'accord, super. Et ben, super. Ça peut être un hôtel de combat, ça aurait été cool. Mais même pas, c'est de la merde. On s'emmerde. Ah, quelque chose par là, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? A plus, Wen, merci de passer. Ah oui, donc il n'y a que ça en fait. La déception. Est-ce grave? Non. Donc t'as un truc de monorail et un truc qui amène là où je veux, c'est ça? Ah ouais, c'est bien de la merde. Pourquoi il y a deux trucs pour... Bon bref, t'en fous. Quel petit con. J'ai bien acheté des trucs, mais bon. Ah, je peux rien acheter. Quelle merde. Qu'est-ce qu'il veut, la Team Yell? La déception est de mise. Y'a rien du tout. Quelle merde. En embuscade, c'est pas ouf. Pouet, 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 pouet. Bon, là on sent bien que ça va être du sport, là va falloir combattre, tout ça quoi. Enfin, je dis ça, j'en sais foutre rien en fait. J'ai des guérisons, j'ai des rappels, il n'y en a plus que deux. Ouais, 30 hein, au cas où. Ça tombe jamais. Total sur 6, ça peut servir. Hein. Ah oui, ce serait plus économique d'acheter tout ça, mais j'ai 600 000 pognons au bout d'un moment. Hein. Merde. T'es à côté du banc quoi, à côté? Oh, les points! Oh, les points! L'âme solaire? Ah, c'est comme d'accord. Là,
Bah, je suis fort, moi, au curry, hein, c'est ok. Hein. Non, mais les points élémentaires, je suis obligé de les prendre. Ça, sûrement, ça verra rien, mais je les prends. Bah, quand je les sous, je suis de droite, Mira, voilà. Voilà la vérité. Donnez-moi des sous pour que je sois de droite, s'il vous plaît. Du coup, j'ai pris ça pour rien. Je suis pas vexé. Ouais, mais bâtard, je suis pas ouf. C'est... Oui, c'est dit. Bon, bah, ok. Dites quoi, vous? Merci. Merci. On se débarde pour l'arène, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le stade. Elle est où, ma fan? Ma fan numéro 1, elle est quelque part? Oh, y'a Nabil. Bonjour, toi! Horrible. Bonjour monsieur Pokéball. Pokéballman. Balle masquée, pardon. Des Red Ball, ça sert à quoi? Hein? Trop de la balle, j'avoue. Un peu de la merde la musique ici, non? Quatre en lice. Ah, t'es premier à t'inscrire parce que j'ai fait toute le... J'ai parlé à tous les PNJ du monde, c'est pour ça. En vrai... En vrai, c'est moi le premier. Hein. C'est moi le first. Hein. Bon, ouais, je verrai bien. On va t'inscrire. Bien, Youbiou, oui. Merci. J'ai absolument tous les badges, sinon je ne peux pas arriver là, donc j'ai pas le choix. Travis? Ah oui, oui, le connard, oui. Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vendre sur ça. C'est quoi derrière, hein? Non mais... Non mais je pensais qu'il fallait parler au mec. Ah non, c'est ça. Allons-y. Allons-y dans le stade. Allons faire un battle royale. Pire idée pour un Pokémon, bref. Donc oui, il y a Nabil aussi. Ah non, on va s'affronter directement. Ouais, ton équipe en remballe les presto, quand même gentil. Hein. C'est bien quand des Pokémon de type ténèbres, je mets qui, je mets tout en qu'à faire. C'est pas mal. Eh bien, Perlis, go! Mon cul, c'est du poulet! Vieille! Ouais, et tout, c'est ça, quoi. Oh, ça faudra aller. Moi, j'y sais, j'en sais rien. Oui, super efficace, mais bon, après, rien à foutre. T'as spécial, j'en ai rien à foutre, je fais séisme, puis salut! Salut, à plus tard! Salut! Back guide. Ah si, il faut en changer.
Bah, Galoppa. Ah ouais. Combat et ténèbres. Un Galoppa Fabulous. C'est parfait. Fabulous. Oui, dis comme je veux. Dis comme je peux. Éclat magique. Parce que je le vaux bien. Oui, c'est très sympa, hein. J'avoue, j'apprécie. Coatox, ben oui. C'est plutôt parfait. Petit coup psycho. Voilà. Allez, salut. On se revoit plus tard, oui. Alors, Morpeko, par contre, ça va être la galère. Hein. Oui, chien-chien. Bah oui, on va faire chien-chien. Chien-chien qui chasse la souris. Parfait. Ah oui, peut-être qu'il est électrique. Je sais pas s'il est électrique, ce petit con. Ou si c'est juste ténèbres. Je sais pas. Oui. De Frof Climous, ce serait pas mal. Est-ce que du coup ça va paralyser? C'est pas sûr ça? Ouais, c'est ça, t'es électrique du coup. Du coup, oui, mais du coup. Du coup, si on fait un câlin, c'est ok? Un petit câlin? Un petit câlinou? Chez le Morpeko! Chez! Je suis un chien niveau 59. Yes. Angoliath. Qu'est-ce que c'est que ça, Angoliath? Angoliath. Je n'ai rencontré un, ça. Pas dans le doute, non. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va supposer que t'es encore ténèbres. Vu que t'as l'air ténébreux. Ah, c'est ça? Il y a vraiment très bien de ça? Aucun souvenir. Ah! Ah! Mon chien-chien, il fait tout petit à côté, du coup. Ouais, ça va, c'est ok. D'accord, je combattu le genou. Je t'avoue que quand je suis en raid, enfin, je suis en mode... Farmage de raid, je regarde très peu les Pokémon que je combats. Hein. Ça m'en somme de là? Salaud. Saloperie. Voilà. Chien-chien, il pulvérise tout, puis c'est ok. Rien à foutre du reste. Parfait.
Ouais, je me dis pour oui, ouais. Ouais, pas mal, ouais. Ré, super, ouais, fait plaisir, j'ai perdu, ouais, c'est la vie. Hein. Ouais, on a un suré, hein. Bah, t'as qu'à me soutenir, moi. T'as qu'à soutenir le backer, puis c'est ok. Rendez-vous dernier round. Mais excuse, mais c'est que vous venez à peine de terminer votre combat, mais le combat est en une cour. Change de rebelle a vaincu son adversaire à la vitesse de l'éclair. Ouais, on va enchaîner, ouais. Ah, du coup, ils sont devenus Pokémon. Bon, c'est génial. Ouais, Corvaeus, allons-y. Bonjour. On y va. Let's go. Allez, contre Nabil. Ouais, je me souviens, c'était il y a... Bon, même pas une semaine. Oh, la musique. Nabil et Dossa veut se battre. Ah, il a gardé ça. Parfait. J'espère qu'il n'est pas résistant. Sinon ça va me faire chier. On va pas se mentir. Non, c'est parti. J'avoue, je t'ai rétamé la gueule avec un seul Pokémon. T'en avais deux. C'était nul. Comme maintenant. Bon, les aiguisages, c'est parfait. Oui, bon, tu peux y aller, hein, mon gars, avec tes trucs, hein. Peut-être on va en faire 3 ou 4 carrément, hein. Troisième, c'est ok. Très très ok tout ça. Ah, il prend sa il prend de la défense. Il a compris que je le boostais. À partir du troisième tour quand même, c'est pas mal. Pas mal pour Nabil. Allez quatrième c'est parti. Ouais, on est d'accord que là on est à 4. Une petite arrogance, ça ira. Non mais t'inquiète, au pire j'avais une guérison derrière, Ralaka, t'inquiète pas. What a pick. Celui-là je me rappelle d'avoir capturé celui-là. Ah par contre je sais qu'il était nul. Pourquoi avoir ça dans son équipe, j'en sais foutre rien, mais il a ça. Ronflex. Oui, c'est sale. Mais j'ai le droit. Puis les autres le font bien aussi, donc ça va, au bout d'un moment, zut, hein. Zut, fut, crotte, chier, comme diraient les autres. Alors c'est facile, hein. 55, yes. Oui, bah oui, Corvaeus, vas-y. Vas-y, on voit.
Exactement, Mira. Exactement. Ah, Galopa va prendre Psycho. Bah oui. Ah, quoi que non. Ah, non. Coupe Psycho, c'est très bien, en fait. Ah, non, mais Coupe Psycho, c'est très bien, du coup. Ah, et puis Robut qui va Dynamaxer. Est-ce que je vais Dynamaxer moi aussi? Ou est-ce que je vais... l'outrecuidance de l'affronter sans me faire Dynamaxer et de le tuer en un coup. Que non, en fait, non. Non, parce qu'on sait qu'il est plus rapide que moi, ce con. Je n'ai aucun remords. C'est parti. Étoile veut répondre à mon appel et libère l'énergie du Dynamax. Non, moi je pensais que ça pourrait servir en méga, en Red Dynamax. Le vibration. Il va se calmer là, le lapin, hein, le lapinou là. Yes! Il va attaquer en premier, j'espère que je vais pouvoir me résister. Pyromarax! Ah, ça va faire mal, je pense. Ah, normalement, je gagne, hein. Ah oui, ça a aidé, hein. Aidez. Au revoir. C'est un chouette combat, hein. 5 one shot, c'est sympa. Par contre, les cris des Pokémon en surexagéré, c'était pas utile, hein. Vraiment, fallait pas, hein. Oh, lui dit, je suis habile. Oh non. Par contre, c'est vrai que j'ai l'air d'être con avec ça, hein. C'est pas rare. Il faut que j'entends quelque chose, donc c'est bon. Ah oui, mais c'est sur les Pokémon, effectivement. Peut-être. La victoire, une médaille, Nubio. Yes. Ah, donc c'est fini. On n'affronte pas le troisième. C'était demi-finale et finale, et on a fait que juste demi-finale et finale, c'est bon. J'ai gagné. J'ai gagné le droit d'affronter Tarak, du coup. Ouais, il est mis jusqu'aux larmes, ça va. Te la pète pas, hein. Ouais, ouais. Ouais, genre toi, t'as oublié. Ouais, ça va, je me comprends, et ça va, hein. Ouais. Pouais, j'ai pas du tout le rythme. Dis les notes. Oui, Challenger, un instant, oui, reposez une question si vous avez quelqu'un à accorder. Tarak, le grand maître, a recommandé de Challenger cette année. Nabil et vous-même. Vous êtes donc rivaux en quelque sorte. Comment vous sentez-vous après cette victoire? Je suis super content. Et quand je suis super content, j'ai vomi. Je vois. Comment dire, Nabil, ça sent.
Oh putain, on peut pas le casser, je suis deg. Je vais pas lui vomir dessus, à tel point je suis content. Je n'aurais pas pu espérer meilleur rival. Peut-être si, un gamin de 6 ans peut-être. Ce respect que vous lui portez, même après la victoire, est assez émouvant, je dois dire. Et maintenant, est-ce que vous pensez être en mesure de remporter le tournoi des champions? Bien sûr que je le peux. Mais t'es épuisé, vos questions, elles sont bien reloues. Ouais. Oui, je suis une star. Et, je vais être influenceur et tout. Moi aussi, j'aurai une cape avec tout plein de marques dessus. Ça va être trop bien. Quelques heures plus tard. Mais y'a un problème, c'est tout. Ah, tu te capes jamais en fait, connard. À te battre, capter ton frère, en tirer loin. Non, mais ça va, je suis au courant. Hein. T'as vu ta dégaine? Comment ça clash? Ah bon, et pourquoi? Quelle chance c'est, moi, j'ai croisé sur mon oreille, il m'a dit qu'il y a. Mais ouais, si j'ai retrouvé votre maître, contre grave. Rater un resto passe encore, mais s'il arrive. Il nous aime bien, incroyable. Oh, la team Yel qui va nous escorter, incroyable. C'est vrai qu'on aurait pu l'appeler au métisaphone, hein, c'est vrai. On a ses passions ici. Hein. Ouais, après mon combat, j'avoue. Oh, il est content le Morpeko. Qu'est-ce qui se passe? Président Shiro se sentit avec le maître, c'est une audience cruciale, hein, oui. Conséquence, je ne laisserai personne les interrompre. L'accès à la Shiro Sovoir est restreint, seul le personnel autorisé et détenant une clé spécifique peut emprunter le monorail pour y parvenir. Vous n'avez donc aucune chance d'y accéder à la tour pour importuner le président. Forcément, il est dark. Forcément que tu l'aimes bien, Wolf. Forcément. Ça, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la Ligue, mais jamais il ne vous la donnera. Vous n'avez jamais dû courir après, hein. Vous ne mettez jamais la main sur cette clé. Hein. Ah, c'est pas la peine de vous suivre, hein. Vous ne trouverez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, il faut penser à... Dans Twin Princess, y a pas des trucs qui appellent des gros oiseaux avec un espèce de trompette comme ça? Je suis presque sûr qu'ils me font penser à ça. Enfin, la trompette, après le reste du corps, bon... Voilà, c'est ce qu'on peut, quoi. Voilà, ça va me frapper d'un coup, bref. Allons, on y va ensemble, ouais. Prends la clé, super. Je sais pas s'il y a deux branches où vous vous êtes là. Non, les vous êtes, c'est beaucoup plus important, non? Je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, c'est... Il y a 10 000, c'est ça, ouais. Super. C'est relou, c'est méga relou. Je peux parler à chaque mec, mais il va être planqué dans le labyrinthe là-bas. Même pas. Oh, c'est beau ici! Oh, c'est toute beauté!
J'ai ramassé de la boue. Super. Bon, alors jouer à cache-cache, ça m'emmerde un peu. Si vous savez où il est, dites-le moi. Non, mais parce que bon, pas que ça me gave, mais... Salut Val, bonsoir. Ah, je cherche trop loin. Il est dans la place. Voilà chaque mec. Oh, relou. Relou. Madame Nip, vous êtes là? Quoi? C'était nul. Oh, c'est nul. Oh, c'est tellement aïech ce truc. Bref. Allons-y. C'est pas grave, Wolf, c'est pas grave. Quoi que j'ai pas vu, désolé. J'ai cliqué trop fort. Du coup, j'ai fait un cut derrière, trop bien. Ah, c'est mes encouragements, coup critique incroyable. Cinquante-sept, cinquante-cinq. Une fermite. Votre fermite. Et tir de précision et qu'on n'en parle plus. J'ai les 8 là, j'ai combattu les rivaux qui restaient dans le championnat de mes couilles là. Donc j'étais tous là, je vais chercher Tarak dans je sais plus quoi, dans le bureau de Sierra Elena. En gros. Ouais, on s'en fout. Rodalek. Non, toujours pas. Je veux rien partager, moi, je reste sur moi. Poète. Je m'en fiche, je vais me cacher, vous montrez jamais ma clé. Non, sans déconner, mec. Non, mais il court pas vite. Oh, ça a vraiment tendance à me gonfler en vrai. Ah, il est là. Ouais, j'ai un globe galard, ouais. Ouais. Je passais un bon moment sur le jeu, hein. Mais là, je m'emmerde. L'emmerdement est présent ici. Oh ouais.
C'est... Mon attaque spéciale a augmenté, c'est ça? Ah, défense, défense P. Non mais c'est pareil, mais Mistibule, Mega Mistibule était trop bien quoi, ça fait chier qu'il soit plus là quoi. Dégoûté. La Mega Mistibule Bref. Miniotope. Changeons. Miniotope qui est le Pokémon qu'il faut pour faire un speedrun sur ce jeu. Le saviez-vous? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Au pire, il a qu'à jeter la clé dans. Dans un truc où je peux pas y aller. En dehors du jeu. À côté d'une haie où je peux pas aller. Et là, je suis niqué. S'il voulait vraiment pas que j'y aille. Là c'est n'importe quoi. Ouais. S'il fuit encore, je pète un câble. Horrible. Faut que je parle à tout, c'est ça du coup, c'est ça? Attends. Ouais, RIP top 50 évidemment. Je déteste ce moment. Je déteste vraiment. Pas vu que c'est même pas rigolo, c'est rien, c'est que dalle, c'est chiant. C'est lui, c'est ça? Je suis passé devant. C'est celui-là, hein, j'ai pas déjà parlé. Celui-là. Supplie, dis-le-moi. Je t'en supplie. Ah, je veux bien te spoiler, y'a pas de soucis. Hein. Je peux pas lui défoncer sa cabine quand il est dedans et le tuer, non? J'avais pas vu que Wolf. J'avais pas vu que Wolf l'avait mis. Désolé Wolf, j'ai pas du tout vu. Oh en plus. Je suis pas un bon Pokémon. Nick. Oh et puis merde, j'y vais en demi-tour et puis merde. En plus du coup je vais devoir arrêter la vidéo YouTube et YouTube va s'arrêter à un moment chiant. Et il va dire non mais il a arrêté le jeu, du coup pas peine de suivre, c'est de la merde. Alors que je suis sûr que la suite est bien aussi après. Là, pas tout de suite quoi. Dans ce Pokémon dans. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ah l'attaque. Séisme. Oui mais quand même un pouce bleu hein. Même si vous êtes que 10 à regarder, c'est ok. Parce que du coup je me rends compte qu'il y a plus de gens maintenant qu'il y a sur Twitch que de gens qui regardent mes vidéos sur YouTube. En même temps deux par jour en même temps ça peut abuser.
pas se mentir. Stelix. Plutôt prendre un Pokémon qui tape sur le spécial. C'est vrai. Mais vous devrez aussi les VOD, peut-être qu'il y a quelque chose qui change à chaque fois. Pas du tout. Bravo! Non, il n'y a pas à se barrer encore une fois, ce connard! Mais pourquoi pas? Une performance de gare, évidemment. Bon, ok, c'est pouvoir des Zigzaton danser, moi ça me va. Allez-y, je les retiens! Ah, c'est ça. Bon, YouTube, on se retrouve après. Hein. Salut YouTube. Hein. Je vais attendre quelques secondes que la cinématique se fasse. J'arrive. Voilà. Appuie YouTube, tout de suite.